Qu'est-ce qu'il y a, Carré? Oh, un bâton. Va chercher. Hé, attends-moi. Carré. Oh, tu es devenu tout plat. Oh, ça a l'air drôle. Hé, je suis tout plat aussi. Je suis un carré, un vrai carré. Oh, carré. J'ai l'impression que nous ne sommes plus à Numberland. Bienvenue au monde plat, où toutes les formes plates vivent. Je suis une ligne droite. Deux lignes droites. Et quand trois lignes se rejoignent, ça forme... Bam, bam, bam! Un triangle. J'ai un, deux, trois, trois côtés. Et un, deux, trois, trois coins. Regardez-moi! Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Nous sommes toutes des triangles. Wow! Mais vous êtes si différentes. Carré, reviens. Pardon. Oh, vraiment désolé. Désolé. Une, deux, trois, quatre lignes. Et au carré. Attends, tu n'es pas un carré? Non, je suis un rectangle. Comme toi, j'ai quatre côtés et quatre coins. Mais tes côtés sont tous les mêmes. Et les miens, non. Tu as l'air surpris. Attends un peu de voir. Bonjour. Forme à quatre côtés, présentez-vous à moi. Rectangle. Losange. Trapèze. Cerf-volant. Fléchette. Parallélogramme. Carré. Oh, quel prénom merveilleux et quelle forme merveilleuse. Rectangle. Losange. Trapèze. Cerf-volant. Fléchette. Parallélogramme. Carré. Beau. Carré. Reviens. Oh, bonjour. Qui es-tu? Je suis Pentagone, avec cinq côtés. Top là! Je suis un hexagone dans le mix. Et des côtés, j'en ai six. Moi, j'en ai de la chance. Car j'ai sept côtés. Je suis un heptagone. Un heptagone? Ouf. 1, 2, 3, 4, 5 côtés, pentagone, 6 côtés, hexagone, 7 côtés, heptagone. Oh, quel prénom merveilleux et quelle forme merveilleuse. Alors, dis-moi, Carré, tu es prêt à rentrer? Hé, ne vous inquiétez pas, Octogone est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 côtés. Je vais vous ramener. Octogone, fais un panier volant à 8 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, panier. Je suis un cercle. J'ai un seul bord arrondi. Accrochez-vous. Allons-y. Bye bye, les amis. Je suis redevenu moi. Et vous aussi. On était au monde plat. Il y avait des triangles et des rectangles et des pentagones et j'étais un vrai carré. Si je ne me trompe pas, le palais du domino devrait être... là. Bienvenue au palais du domino, où vous pouvez jouer toute la journée. Vous devez d'abord traverser la rivière. Courage, venez par là. Suivez le chemin. Me voilà.
peut-être que je devrais commencer. Rouge, rouge, rouge. Oh, rouge, rouge, rouge. Ils sont tous rouges. Rouge, 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 rouge. Domino débloqué. Deux points. À moi. Orange. Oh oh, le deuxième est rouge. Un. Rouge. Orange. Rouge. Orange. Oh. Continuez le domino. Rouge. Orange. Rouge. Orange. Rouge. Orange. Rouge. Orange. Domino débloqué. Enfin. Moi, moi, moi. Jaune. Oh non, c'est pas ça. Rouge. Orange. Jaune. Rouge. Stop. Qui est le prochain? Ça fait rouge, orange, jaune, rouge, orange, jaune, rouge, orange, jaune. Dites-moi les couleurs. Rouge, orange, jaune. Domino débloqué. Voilà ce que j'appelle un domino. Je sais exactement quoi faire, je sais toujours quoi faire. Vert, 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 au-dessus du trou. Vert, 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 sautons au-dessus du trou. Vert, 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 sautons au-dessus du trou. À toi de jouer. Alors ça fait vert, 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 vert. Et un trou. Et encore. Domino débloqué. Des carrés. Des empreintes. J'adore ça. Main. Rouge. Main, main. Rouge. Main, main, main. Rouge. Stop. Une main, deux mains, trois mains. Ça y est. Ensuite, quatre mains. Main, 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 main. Ensuite, un rouge. Une main en plus à chaque fois. Ensuite, rouge. Domino débloqué. Regardez, on est au centre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Domino débloqué. Vous avez réussi à passer. Bien joué, les amis. Entrez dans mon palais du domino. Et amusons-nous tous. Wow! Palais du domino débloqué. On continue, les amis. On s'approche de la montagne en bloc. Ah, si on a de la chance, on pourra croiser le légendaire Gros Bidon. Ah, un grand monstre poilu avec un bidon poilu qui aime les devinettes. Ne sois pas bête, Seth. Miam. Qu'est-ce que c'était? Miam. Gros Bidon. Miam, miam. Qui est dans mon bidon? Qui est dans... Attendez. Quelqu'un a disparu? Que chacun dise son numéro. 1, 2, 3, miam, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Où est 4? Il n'est plus là. 4 est dans ton bidon. Miam, miam. Bien joué. Dis-moi, est-ce que ça va, 4? Oh, ça va, merci. Il faisait chaud et bon dans son gros bidon.
Oh, où est-il passé? Attrapez-moi! C'est parti! Prépare-toi, car j'arrive! Regarde, Neuf! De la neige! Miam! Miam, miam! Qui est dans mon bidon? Neuf! Oh non! Où tu es? C'était moi! J'étais Neuf et Gros Bidon a gobé quelques blocs à moi! Combien? Je ne sais pas! J'avais les yeux fermés! Oh! Je sais! J'y vais! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Donc, Neuf était là, on lui a pris certains de ses blocs, et toi, tu es là, 3, ça veut dire que 9 moins... Miam. Égale 3. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Viens par ici, 3. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc, c'est ça qui manque. 9 moins 6 égale 3. Et 6 est dans ton bidon. Miam, miam, bien joué. Content d'être de retour. Où sont les autres? Octoblin glisse. Miam, 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 miam. Les amis, ne bougez pas. Pas de panique. Qu'est-ce qu'il y a, les amis? Pourquoi vous? Oh, ils sont en neige. Oh. Miam, miam. Ah. Qui est dans mon bidon? C'est facile. Les vrais 1, 2, 3 et 4. Non. Maintenant, ils sont tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont tous ensemble? 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale... Miam! Essayons d'assembler les blocs de neige. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blocs de neige. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Tu as 10 blocs dans ton bidon. Miam, miam. Bien joué. Oh, il fait froid dehors. Il faisait meilleur dedans. On peut entrer le temps que ça se calme, s'il te plaît? Pas de problème. Oh, et plein de place pour toi aussi. Miam! Je vais vous montrer la longue galerie. Suivez-moi, les amis. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, oh! Faisons 3 maintenant. Miroir, mon beau miroir, écoute-moi. J'aimerais que tu puisses faire 3 mois. Tes désirs sont des ordres. Wow. 3 fois 1. 1 plus 1 plus 1 égale 3. Oh. À moi, à moi. 2 fois 2. 2 fois 2. 2 plus 2 égale 4. Je suis 4. Je suis 2 fois 2, les terribles 2. Oh, le miroir magique est encore plus magique qu'on le pensait. Oh, les autres vont vouloir voir ça. Surveillez-le pendant que je vais les voir et ne faites pas n'importe quoi. Oui, à moi. Un a dit de ne pas le faire. Oh, allez, c'est pas juste. 2 fois 3.
2 fois 3. Font 6. Numéro 6 est dans la place. N'ayez pas peur de la glace. Bonne idée. 3 fois 3. 3 fois 3. Font 9. Je suis 3-3, vous voyez? On devrait plutôt s'arrêter là. Mais regarde, on est déjà tellement nombreux. On ne serait pas surprise en voyant tout le monde ici. Oh, excellent! On a 2, 3, 4 et 6. Oh non, 5 a disparu. Lequel d'entre vous ici forme 5? Essayons. Toi. Oh. 3 fois 2. 3 fois 2. Font 6. Numéro 6 est dans la place. Mais j'ai déjà dit ça, il me semble. 2 fois 3. 3 fois 2. Oui. Oui. J'espérais avoir un 5. Je peux peut-être aider. Non, 2 blocs de 4. 2 fois 4 font 8. Non, 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 il nous faut un 5. Et il nous manque 7 et 10. Qui veut essayer? C'est une grande surprise. Oh. 5 fois 2 font 10. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il nous faut 5 et 7. Suivant. Oh non. Préparez-vous pour une énorme surprise. Arrive. Cachez-vous. Pourquoi on ne peut pas faire 5 et 7? Et voilà, surprise. Un miroir magique. Quelle grande surprise. Si je vous disais que plein de number blocks pouvaient apparaître en même temps. Alors ça serait... Surprise. C'était un jour gris dans la grande ville. Je me demandais ce qui allait m'attendre quand... Il faut que tu m'aides, hein? Ça a disparu. Tout a disparu. Doucement, Neuf. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Je vis dans l'appartement 9 au 9e étage de la tour numérotée. J'ai quitté mon appartement à 9h pour acheter mon journal. 9 minutes plus tard, à mon retour, la porte était ouverte. Tout avait disparu. Un mystère, en effet. Je m'en occupe. Cherchons des indices. As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel à ton retour? Non, rien du tout. Oh, si, une seule chose. Un homme suspect, portant un manteau et un chapeau, m'a poussé pour sortir par cette porte. Mais à part ça, rien du tout. Peux-tu me décrire cet étranger? Ils étaient aussi larges que la porte, donc 2 blocs de large et une tête plate. Premier indice, tête plate, un corps de 2 blocs de large. Encore autre chose? Je voyais au-dessus de leur tête, bien que nous ayons la même taille. Donc, ils doivent être plus petits que moi. Deuxième indice, plus petit que 9. Regarde, chapeau, manteau, ce sont eux. Après eux, vite. Là-bas, sur les marches, le chapeau. Oh, ce ne sont pas des marches, c'est... L'une d'entre vous aurait-elle vu un individu portant un chapeau et un manteau? Désolée, l'ami. Personne d'autre ici. Juste nous. Ça n'a pas vraiment de sens. Ou bien... si? Regardons ce que l'on sait. Premier indice. Le suspect a une tête plate et 2 blocs de large. Ça ne peut pas être 3
ni 5, ni 7, ni 9. Et ça n'est pas toi, car tu ne peux pas avoir de blocs. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Le suspect doit être un numéro pair. Bingo! Et le deuxième indice, le suspect est plus petit que 9. Ça ne peut pas être 10. Donc il reste 2, 4, 6 et 8. Mais qui était-ce? Attends, il y a un indice qu'on a presque oublié. Il peut prendre la forme d'escalier. Pas 2, ni 4, ni 8. Donc ça devrait être... 6. Et qui avons-nous vu dans l'allée? 3 et un autre 3. Égal 6. Arrête-toi, voleuse! Ah! Vous vous êtes trompée. Oh, par où commencer? Je ne vole pas ces choses. J'emménage avec elles. Tu emménages? Venez, et je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Attendez, 9 ne vient pas après 5. Ça n'est pas l'appartement 9, c'est l'appartement 6. Oh! Regardez, le 6 à l'envers ressemble au numéro 9. Oh! Personne ne t'a cambriolé, 9. Tu es entré dans l'appartement vide de 6. Donc mes affaires doivent être... où je les ai laissées? Affaire conclue! Désolée pour tout, 6. Je pensais que vous me poursuiviez. Je me suis donc divisée en 2. On va t'aider à emménager pour nous racheter. Bienvenue dans la grande ville. Les voilà. Elles sont juste ici. Les portes vers le canyon des rayons. Je me demande pourquoi ça s'appelle. Oh! Le canyon des rayons. Des rayons de rectangle. Douze a dit, celui qui arrivera au sommet aura... une grande surprise. Oui, on sait. Mais comment? C'est trop loin pour sauter. Comment on va dessus? Ceux-là sont deux rayons, donc peut-être... Wow! Oui! Montez! C'est amusant! Oh! Oh! Mmh. Oh, c'est inutile! Je ne peux pas faire un rectangle de deux blocs de large! Non, mais moi oui! Je suis un carré de 2 par 2! Oui! Si vous avez aimé, attendez de voir ce que je fais. Oh! Oh! Hey! Wow! Je suis 2 fois 3. J'ai 2 rayons et 3 rayons. Oh! J'ai 3 rayons aussi, vous savez. Je pourrais faire la même chose que 6 si j'arrivais à monter. Impossible pour les impairs de faire un rectangle de 2 blocs de large. 12 a dit qu'un seul d'entre nous devait arriver au sommet. On peut tous trouver une solution ensemble. Je ne vois pas comment. Nous n'avons pas de chance. Je ne peux pas faire 4 blocs. Je suis coincée. Oh, je peux, je peux. Mais je suis coincée ici. On est tous coincés. 12 a dû se tromper. Ah! Mais attendez, il y a peut-être plus qu'une solution à ce problème. Parfois, il nous faut penser autrement. 3 plus 1 égale 4. Oh oh. Oh oh. 4 plus 2 égale 6. Quel bonheur, je suis à la hauteur. Un bonheur d'être avec ma sœur. 6 plus 6 égale 12. Oh, bien joué. Qui a trouvé cette idée? Moi,
égale 5. Hourra ! Oui ! Mais comment on arrive en haut ? On ne peut pas former 6 blocs de large. On a seulement 5 blocs. À nous deux ! Bonjour, mes amis. 12. Change. Bravo, mes amis, d'être arrivés jusqu'ici. Change. En travaillant ensemble, vous avez presque réussi. Quel super rectangle! Moi non plus, je ne peux pas prendre toutes les formes de rectangle. Je ne peux pas faire un rectangle de 5 blocs de haut, tu vois? Mais comme tu l'as dit, Troy, il existe plusieurs solutions à un même problème. 12 et 10 plus 2. 10 plus 2 égale 12. Tourne. Et me voilà en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Wow! 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 Oui! Wow! La piste des rayons! Qu'est-ce que vous en dites? Je l'adore! Si vous êtes bien assis, je vais commencer. Chapitre 11. Dans le filet. Le temps passe et passe, et chaque équipe a 10 partout. Ce coup franc pourrait tout changer. Je suis 11 et j'adore le football. Tous ces blocs ici forment 10 blocs en un seul et un autre bloc, 10 et 1, qui font 11. L'équipe adverse, elle, les 1 unis, forment un mur de blocs. 1, 10, 10, 1. Et un de plus dans les cages, les 11 1 sont prêts à en découdre. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 1 de plus, ça fait 11. Elle tire, elle marque. 1, 10, 1, 1. Il n'y a qu'une 11. Chapitre 12. Le jeu du rectangle. Bienvenue au jeu du rectangle. Voyons voir qui va être le suivant. Je suis 12 et je suis un super rectangle. Je peux former plein de rectangles différents. Montre-nous alors. C'est parti. Je suis 12. Je suis 10 et 2. Et je suis 3 blocs par 4 blocs. Je suis un rectangle. Oh, c'est un tableau. Tourne, je suis 4 par 3. Change, je suis 2 par 6. Tourne, je suis 6 par 2. Change, je suis 12 par 1. Et donc, je suis également 12 par 1. Chapitre 13. Oups, quel manque de peau. Tu es prête, une? Prête, 13? Oh! Coupée! Oh, désolée, mes 3 tombent à chaque fois que quelqu'un prononce 13. Coupée! Oui, cette fois c'est la bonne. Je suis 10 et 3. Je suis. 13! Oh! Oh! Oh, 10 et 3. Quel manque de peau. Chapitre 14. Prendre tous les loopings. Oh. Et 10 plus 4. Je suis 14 extrême. Regardez ça. Wouhou. 14. Attends. La route se divise. Ne t'inquiète pas. Je suis 14, j'ai beaucoup de chance. Je suis double 7, double chance. Wouhou!
intense. Chapitre 15. Mission nocturne. Chut, chut. Ici agent 15. Mais je suis aussi... 10 et 5. Et parfois même, je suis aussi... 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. C'est ça, je suis... Les escaliers agents secrets. Pour une mission nocturne top secrète. En un, ranger. En deux, boire du cacao. En trois, nous brosser les dents. En quatre, aller au lit. Et en cinq, lire un très joli conte de fées. Mission accomplie. Oh. Un, deux, oui, allez, vas-y, on 6, 7, 8, 9, 10 et 1 de plus, ça fait 11. Wow, extrême. Laisse-moi essayer. Deux têtes valent mieux qu'une tête. Super idée, 14. Choisissez un partenaire, nous allons faire un concours. Je serai l'arbitre. Génial. Je choisis 12. Il est temps pour ce super rectangle de se remettre en forme. Change. 2 par 6. Hop. 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 Je n'ai pas de partenaire. Pas de chance. Chut, chut. L'agent 15 est là. Je serai ta partenaire. Oh, ne dis pas mon nom. Ne dis pas. 13. Oups. Oh, oh. Wow. Tout le monde va bien? Est-ce que ça va? Oh, désolé, qui es-tu? Bonne question, je n'en ai aucune idée. On a perdu notre numérotation. Numérotation? Nous sommes dans le pétrin. Quelqu'un reconnaît-il la sienne? Il y en a beaucoup des comme ça. Oh! Je me souviens, c'est un 1. Quelqu'un se sent numéro 1? On a tous plus qu'un seul bloc. J'en ai un. Enfin, plus qu'un en tout cas. Tout ranger proprement en colonne peut aider. Posons tous les 1 ici. Voilà qui est beaucoup mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'a l'air familier. 1, 2, 3, 4, 5. Chut, chut. Les escaliers agents secrets en action. Petit 1, regarde au-dessus de ton grand bloc. Tu as un bloc rouge, comme moi. Petit 2, tu as deux blocs orange, comme toi. Petit 3, regarde-moi. Petit 4, 4 blocs verts. Et petit 5, hop. 5 blocs, 1 bleu. Chut, chut. Et que fait-on de tous ces 1 qui restent alors? On a assez pour chacun. Alors, pourquoi sont-ils là? Regardez, dans le ciel. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est... un grand bloc blanc au côté rouge. Paré pour l'atterrissage dans... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Réussi! 10! Tu es 10! 10 blocs de 1! Ou un 10! Ce 1 est un 10! Un 10 et pas plus! Plus de 1! Simple comme bonjour! Donc, on a tous besoin de 2 numérotations. Une numérotation pour le grand bloc de 10 et 1 pour le reste. Je suis un bloc de 10 et un bloc en plus. Je suis 11. Je suis un bloc de 10 et 2 blocs de 1. Je suis 12. Je suis un bloc de 10 et 3 blocs de 1. Je suis 13. Esquive. Belle arrêt, 10. Merci. À
était. 1, 10 et 0, 10. 1, 10 et 1, 11. 1, 10 et 2, 12. 1, 10 et 3, 13. 1, 10 et 4, 14. 1, 10 et 5, 15. Maintenant, on peut jouer. Venez, tout le monde, sur vos têtes. Bienvenue chez moi, 10. Vous êtes tous plus grands que moi. Ça veut dire que vous avez tous un 10 en vous. Vous voyez? Vous êtes plus grand que 10. Oui. Et vous avez de grands rêves. On s'amuse? Oui. C'est parti. Commençons à jouer tous ensemble. Très bien. Commençons les Maintenant, faites-moi des squats. Hop. Hop. Maintenant, sautez et rebondissez. 10 plus 1 font 11. 10 plus 2 font 12. 10 plus 3 font 13. 10 plus 4 font 14. 10 plus 5 font 15. Magnifique. Maintenant, étirons nos 10. Hop. Beau et grand. Hop. 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 Envoyez les petits dans les airs. Loin dans les airs. 11. Moins 1. 10. 12. Moins 2. 10. 13. Moins 3. Font 10. 14. Moins 4. Font 10. 15 moins 5 font 10. Prête? Allons-y les 10. Oui. En haut, en bas, deux en long, deux en large, rectangle avec un trou. Chez 10, où sont les 10? Moi je dis, faisons de cet endroit un chez 3. Tout le monde sort. Bon oui. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, bienvenue à... Oh, c'est un peu haut ici. Pose-moi. Vous êtes tous plus grands que moi. Alors, rapetissez un peu. Encore plus. Vous avez tous un 3 en vous. Enfin, sauf pour 13. Il s'est déjà divisé en 10 et moi. 14. Tu es un de plus que 13. Extrême 14. Moins 1 égale 13. Et pour mon prochain tour, 12 plus 1 égale 13. Et c'est 3. Oh, oh. À ton tour, 15. Disons 10 et 5, mais je veux 10 et 3. Et 3 est 2 de moins que 5. Donc, sortons un 2. 10 et 5 moins 2 égale 10 et 3. 10 et 1 plus 2 égale 13. Je plaisante. 10 et 3. Voilà. Maintenant, tenez-vous tous droit. Quand je dis partez, partez. Partez, mes tout petits 13. Bang ou bang a, bang ou bang. Bienvenue chez 3. Jouons ou bang a, bang i, bang ou. Peu importe chez 10 ou chez 3, on doit appeler ça chez 13. Non.
J'ai hâte d'aller au palais des forts. C'est encore loin. Il y a un raccourci après cette crête. Si on arrive à traverser le pont à Valence. Wow. Wow. De mettre les verrous. On y va doucement, doucement. Comme ça. Il faut d'abord qu'on équilibre le pont avant que 15 ne tombe. Mais je ne suis pas assez grande pour le faire seule. 10 est plus petit que... 15. Il faut 15 blocs pour me soulever. Mais 15 et 10 et 5. Donc si je donne un coup de main... Hop. 10 plus 5 égale 15. Tenez bon. Il faut atteindre l'autre côté pour bloquer le pont. Je peux le faire. Je suis 3 par 4. Je suis un rectangle. Waouh, c'est trop cool. Merci. Oh, oh, 12 a besoin d'équilibre. Et 12 et 10 plus 2. Viens, 10. Attendez, où est 10? J'étais occupée, désolée. Il nous faut un autre 10. Oh, 7, 3, vous pouvez faire 10. Oh, oh, quelle chance. 7 plus 3 plus 2 égale 10. Plus 2 égale 12. Tenez bon. Ouais. On est à la moitié. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Oh, fais attention, 13. Tu l'as dit. On doit équilibrer 13. Mais on n'a pas de 3 ou de 10. Moi, je peux vous aider. Je ne suis qu'un de moins que 10. C'est proche. Oh, et après ça, il nous faut 3 autres blocs. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. 4 blocs. Oh, le pouvoir carré. 9 plus 4 égale 10 plus 3. Et les deux côtés nous font 13. Oui. Tenez bon. Et nous voilà partis. Octobloc, réfléchis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, réfléchis. Comment je passe de 8 à 14? Ah! De 8 à 10, il y a 2 blocs. Et 14 est 10 et 4. Donc, il me faut 4 autres blocs. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh! 8 plus 6 égale 14. Tenez bon. Double 6, le pont est assemblé. On a eu quelques frayeurs. Il va aller prendre l'ascenseur. Un ascenseur? 6. Deux sur 7. Extrême. 3, 6, 9, 12, 15, 18, prends la fuite. Vous me trouvez rapide? Suivez-moi et vous verrez. Êtes-vous assez rapide pour faire le looping? Allez, allez, allez. Super. Feu
faisons-le encore. Oh! Ha! Tout le monde peut faire ce looping. Regardez! Wow! Le double looping a deux rayons, les amis. Vous ne pouvez le traverser que si vous faites un rectangle de deux blocs de large. Comme ça. 2/9. Deux rayons, et voilà! 1, 2. Wouhou! Et hop! 2/6. Wow! 2/7. Double chance, double 7. 2/8. Ouais! Wouhou! Wouhou! Ça a l'air amusant, mais un chiffre impair ne peut pas faire un rectangle de deux blocs de large, vous voyez? Ne laisse pas ça te ralentir. Le prochain pourrait bien être pour toi. Un triple looping avec trois rayons. Alors, tu dois faire un rectangle de trois blocs de large. Comme ça. 3/6. Trois rayons et voilà. 3/6. Wouhou! Et hop! Alors, ça, je peux faire. 3/5. Ah! 3/5! Ah, magnifique! Tu es fait pour ça, 18. Tu peux prendre les loopings et les doubles loopings et les triples loopings. 3/4. Ah, c'est juste parce que mon frère et moi sommes des super rectangles. Ce qui veut dire qu'on peut faire plein de rectangles différents. Donc, on peut faire un rayon. Et deux rayons. Et trois rayons. Ce n'est pas tout. On peut aussi faire 6 rayons. 6/3. Ben oui, c'est vrai. 6/2. Mais pourquoi a-t-on besoin de 6 rayons? À moins que... Un looping à 6 rayons. Oh non! Comment on va monter? Du calme. Laisse-moi gérer ça. Je suis 12. Je suis un super rectangle, maître des rayons. Attends, tu peux refaire ça? Prenez garde, le méga super looping. Allez, allez, allez! Change! 1/18. Ah, 1/12. Wow! 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 2/9. Change! 2/6. Wow! Change! 3/4. Bien joué, Sorette! Allez! 3/6. Wouhou! Wouh! 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 6/3. À plus! Change! 6/2. Wouh! 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 C'est assez rapide pour moi. Mais pas pour moi. Voici les 9 loopings. 9/10. C'est parti! Extrême, mec! Est-ce que ça va? C'était ravissant! Et maintenant, je vais faire quelque chose d'autre très vite. Ah, me reposer. Me voilà! Oui! Allez plus vite! Change! 3 rayons et voilà! J'étais sûre qu'il y avait un épouvantail ici. Un épouvantail? Non! Je n'en vois aucun ici. Juste ce grand panneau avec le signe plus. Hé! Hey, on peut l'utiliser pour améliorer notre vitesse. Oh! 3, 6, 9, 12, 15, 18. J'adore ce jeu. Est-ce que tu peux ralentir pour que je comprenne? Bien. Juste une fois.
À vos marques. Plus 3 égale 3, 6, 9, 12, 15, 18. Assez lent pour toi? J'ajoute seulement 3, plein de fois. Il suffit de savoir combien de fois. Essaye 10. Comment ça va? Je viens planter des patates carrées et j'ai la patate. Et où est passé l'épouvantail? Alors 10, tu es prête? Je ne peux pas faire de rectangle avec des 3. Avec des 2, oui. À vos marques, prêt, feu, partez! 2 plus 2 plus 2. Allez! Plus 2 égale 2. 6. 8. 10. J'ai ajouté 5 fois 2 et j'ai eu 10. On est enfin arrivé. Mais pourquoi aller si lentement? Tu veux faire vite? Je vais essayer. Tu n'en croiras pas tes yeux. 2 plus 2 plus 2. Ça va prendre la journée. Désolée, 18, mais j'ai perdu le compte. Ne t'inquiète pas, je vais tout recommencer. 2 plus 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 2. Combien de fois vous allez dire 2? Combien de fois? C'est un signe! Un signe qui annonce un autre signe! Un plus rapide! Pas besoin de ça! Crash! Eh bien, on peut ajouter un chiffre plein de fois bien plus vite avec ce truc! Je vais l'appeler le signe fois! Et l'utiliser pour ajouter des choses plein de fois! Super rapide! Donc, combien de deux on ajoute? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et rappelez-moi, qu'est-ce qu'on ajoute déjà? Les deux. 8 fois 2, à vos marques, prêt, feu, partez. 8 fois 2 égale 16. Bien plus vite. 10, recommence. À vos marques. Nous sommes tous 5. 5 fois 2 égale 10. À mon tour. 6 fois 3 égale 18. Ravissamment rapide. Ça compense la casse de ce vieil épouvantail. Oups. 18. 18? Non, je ne vois pas de 18, juste ce vieil épouvantail. Bienvenue à la foire de Numberland. Est-ce que tout le monde est là? 1, 2, 3. 1, 2. Oh, venez là. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. 12 numéros bulles. Bien. Regardez, j'ai ici plein de jetons. Qu'aimeriez-vous? Les tasses de thé. Les tasses de thé. Il faut être 4 dans chaque tasse. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, combien de jetons il vous faut? Voyez ça comme ça. Combien y a-t-il de tasses? 1, 2, 3. 3 tasses. Et combien d'entre vous dans chacune? 4. Donc ça fait 3 fois 4. 3 fois 4 est égal à... 3 fois 4 égale 12. 3 fois 4 font... 12 jetons. Et c'est parti. On aime tourner 3 fois 4, 12 numéros, but pas un de plus. Oui.
C'est amusant. Alors... La grande roue. La grande roue. Ah ah. Cette fois, c'est trois par nacelle. Tourne. Combien de nacelles? Une, deux, trois, quatre! Combien dans chacune d'elles? Trois! Donc, combien de jetons il vous faut? Quatre fois trois égale douze! Douze jetons! Quatre fois trois! C'est parti! Quatre groupes de trois, douze numéros, bulles et c'est... Maintenant, mes petits, est-ce que vous êtes prêts pour le plus rapide, le plus excitant et... Le transenjambeur! Quoi? Le transenjambeur! Par deux, s'il vous plaît, change! Tous à bord! Deux! Combien y a-t-il de wagons? 1, 2, 3, 4, 5, 6! Et combien dans chaque wagon? 2! 6 fois 2 égale 12! Donc, il nous en faut 12. Oh, je n'ai plus de jetons. Plein de jetons à gagner. Oh! Il nous faut 12 jetons! Chaque canette qui tombe en vaut un et il y a... 1, 2, 2 piles! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6 canettes dans chaque pile! Et 2 fois 6 égale 12! Oh! Tada! Je l'adore! À mon tour! Super rectangle! 10! Plus 9! Égale! 19! Très bien! Je suis 19! Et je... Qui je suis? Ça a peut-être à voir avec... Super rectangle! Ha ha! Chante! Chante! Tourne! À plus! Niou! Oh! Peut-être que je peux faire plein de rectangles! Allez! C'est parti! Deux sur... Oh! Oh, suis-je bête! Il manque un bloc! Réessaye. 3 sur... Oh. Un bloc de trop. Peu importe. 4 sur... Oh. Un manquant encore. Tu peux le faire. Oh, oups. Pas un rectangle. Allez, 19. Concentre-toi. 5 sur... Non, un manquant. 6 sur... Oh, un manquant. Oh, je n'y arrive pas. Je ne serai jamais un super rectangle. Je ne suis qu'une vieille... théière. Je veux dire... un éléphant. Enfin, ting, une ampoule. Enfin, un monstre. Super rectangle. J'aimerais ressembler à 18. Ses formes bien égales et sa taille si droite.
Mais quelque chose m'empêche, me limite. C'est là que je m'emboîte et là je m'éclate. Je veux être un cactus dans le désert, un parapluie quand il pleut. Je peux m'étirer et faire une grande girafe. Oh, merci. Si vous avez besoin de blocs, je peux faire une grue et plein de grimaces très marrantes pour vous faire rire. Je fais des formes bizarres, c'est tout ce que je sais faire. Il ne faut jamais perdre espoir, et si on est sur terre, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Allez-y, demandez-moi des formes folles qui vous affolent. Moi j'en ai le monopole. Je peux faire une table pour ton déjeuner ou un poisson rigolo. Si tu creuses, une pelle pourra bien t'aider. Si tu perds trop la direction, je deviens ton indication. Quand il faut faire des formes farfelues, je m'exécute. Je fais des formes bizarres, c'est tout ce que je sais faire. Il ne faut jamais perdre espoir. Et si on est sur terre, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Allez-y, demandez-moi des formes folles qui vous affolent. Moi j'en ai le monopole. Oups. Je suis unique et je le sais. Je pense vous mettre d'accord. Je suis unique car imparfaite. Personne ne fait mieux ce que je fais. Venez tout le monde, faisons des formes ensemble. Je fais des formes bizarres, c'est tout ce que je sais faire. Il ne faut jamais perdre espoir. Et si on est sur terre, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Allez-y, demandez-moi des formes folles qui vous affolent. Moi j'en ai le monopole. Des formes folles qui vous affolent. Moi j'en ai le monopole. Je suis 19 et je suis unique. Et j'adore ça.